Nouvelle journée de tension ce dimanche dans la capitale égyptienne. Des militants des Frères musulmans s'étaient rassemblés aux abords de l'université Al-Azhar. La police est intervenue pour disperser les manifestants qui se sont retranchés dans le campus. Par ailleurs, on a appris ce dimanche que l'élection présidentielle en Égypte aura lieu les 26 et 27 mai. Un scrutin qui, sauf surprise, devrait voir la victoire de l'actuel homme fort du pays, le maréchal Al-Sissi, celui-là même qui avait orchestré la destitution du président islamiste Mohamed Morsi.